Mackinson Rémi 4x4 qui tape ben, nos tensions à la rue, 4x4 qui expliquait nous comment ça y est dans la rue. Encore une fois, on a lancé SOS là, pour Mounsa qui mourit dans la zone Matissan 2A. Donc, depuis hier, ça arrivait. Il faut que tout hier, tu gagnes en pile, coup de zam qui tape chanté dans la zone Portail, Léogan, zone Théâtre National. Pas vraiment connaît si y a monde qui mourit ou blessé hein, puisque nous pas gagné information sur ça qui arrivait hier dans zone ça, mais vraiment t'es gagné en pile gros coup de zame qui t'a pas chanté. Et puis 4x4 là dis nous dans canapé vert pas gagné possibilité pour monde descendre maintenant puisque gagné de barricades de pied bois monsieur mettez dans la rue qui faut bon petit temps il a parlé et mal nécessaire puisque en pile fanatique ou t'es besoin ça et message là m'espérer le passer donc puisque nos situations difficiles là côté y a un peu de monde capitaine ou bien qui croit bah capable venir plus difficile dans jeu cap venir si pas gagné et un dépassement qui fait hein bon côté nous chaque pays États-Unis continue à encourager tout acteur politique, économique et société civile pays d'Haïti pour lancer pressé dans un dialogue sans condition qui réunit tout le monde pour déterminer un moyen pour arriver sur formation un gouvernement fonctionnel qui pourra servir peuple haïtien et puis qui pourra résoudre problèmes économiques et problèmes sociaux qui gens yo leader pays d'Haïti besoin travail ensemble pour joindre une solution pacifique démocratique dans moment ça et puis montrer yo comprendre l'urgence qui gagne. Peuple haïtien a souffri. Nous campons bon côté haïtien si la yo cap encourager la paix pendant yo prend courage pour mander pour moun rendre compte pays États-Unis déplorer situation blocage pays d'Haïti a traversé actuellement une situation qui la cause violence augmentation besoin humanitaire yo et puis empêcher activité quotidienne peuple haïtien donc ça c'est un message gouvernement américain donc à travers c'est sur page Facebook yo page officielle Facebook ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince yo publié note si là gouvernement haïtien lui-même suspend franchise douanière yo couper contrat trois principales compagnies privées qui appartiennent l'état courant dans une résolution qui datait 23 octobre gouvernement démissionnaire décide de couper contrat li ak compagnie Sogener Ipower ak Etrak ministère travaux publics gen l'ordre pour transférer ba EDH toute centrale électrique qui c'est propriété l'état haïtien ministère finance doit suspendre payer l'argent qui gen rapport ak exécution contrat énergie électrique qui était signé entre l'état haïtien ak Sogener Ipower et puis Etrak. Hier, nous t'étant des interventions ministre économie et finance à Ian Joseph Jout dans journal matin compagnie Sogener en réaction déjà consulté batterie avocali 24 heures après résolution Sila qui suspend contrat pour acheter courant il était signé avec l'état haïtien depuis dans l'année 2008 après une période 15 l'année. Vice-président, directeur exécutif face au général Dimitri Vrob a dénoncé décision ça. Équipe qui sous pouvoir prend ça qui d'après lui pas respecté clause contrat qui était signé yo entre deux parties yo. Compagnie sous général critiqué ministre finance Joseph Jout qui d'après lui t'a roulé responsable compagnie en farine m'a dit passé à côté dans aucun moment ça fait suspension contrat yo pas jamais évoqué d'après Dimitri Vrob qui était dans micro Peterson chéri. Non démissionnaire, on n'a pas qu'à engager le cas, ni désengager. C'est les affaires courantes qu'on a brigées. Les gens qui n'ont pas pouvoir aujourd'hui, ils ont qu'à faire pas au vrai. On a peut-être suivi à Bonoël, comment ça a avancé, dans nos serins, nous rencontrons un homme que nous avons exécuté. Par contre, si l'État a unilatéralement désengagé le contrat sans tenir compte de l'autre monde qui l'a derrière, donc on a suivi. Mardi, nous rencontrons le ministère économique et finance. Suspension de contrat, ça a été mis en discussion yo? Non, à aucun moment. Au contraire, monsieur a parlé clair avec nous, que c'est pas une état nouillé, que je pense. Nous venons là tant entre nous, il faut qu'on continue à discuter. Monsieur dit nous avons rencontré à Ipower avec Il m'a de nous faire des propositions, si ça va mieux pour l'État. Oui, c'est vrai, monsieur expliquer nos précarités que l'État là donne. Mais c'est pas question que d'après le ministre, niveau de la justice, niveau de. Par contre, qui s'accrivait entre l'Union hier soir. Mais bon, nous après même genre avec tout le monde. Sur les réseaux que tu conseilles, les ministres qui
dans la résolution ça. Qui initiative qui prend bon côté nous de la part du bureau avocat nous qui démarche qui va le faire dans ce sens? Il y a un état de droit, même les gens qui pensent qu'ils ont fait ça, ils veulent tout le temps, il y aura justice. Donc nous-mêmes, on va déposer plainte, côté nous qui a déposé, pour nous déposer tout. Nous avons le droit tout, nous avons le droit avec nous, et avocat pas. Nous avons ce que de droit tout. Nous avons assuré ces gens qui les nous en tant que personne individuelle, en tant que ministre ou ça, qu'il y a. Côté nous capables, en Haïti, le tribunal international, tout côté que ça permet nous, du moment que les émotions qui ont fait abus de pouvoir. Donc, nous très sereins, j'aime Dieu, et nous n'avons pas le goût à personne, c'est exécuté, n'a pas exécuté. D'ailleurs, là, nous travaillons des couleurs, là, nous pas travaillons pas des couleurs. Dans le moment, là, nous avons 4 jours gaz, dans 4 jours, nous n'avons pas de capacité pour continuer à faire central de marché, parce que si nous n'avons pas payé, nous n'avons pas acheté gaz, et le faire central n'a pas fonctionné. Donc là, nous gagnons 4 jours. On regarde maintenant au avenir qui est plus lointain que ça. Son firme, mm-hmm. son générié, s'il est là pour le distribuer au courant, contrat est coupé, qui ça ne va le faire sur le terrain? Son firme, même je vous ai dit en Haïti, il y a un pile de l'hôtel qui a fait des postes, mais vous pouvez tout le commencer, nous allons vous l'ouvrir. Nous sommes tous de la même manière. Son firme qui a nous des produits, nous servis, nous travail. Nous ne jouons pas d'activité que nous devons créer par terre. Nous ne jouons pas de redémarrer que il y a vraiment un manche. Et maintenant, toujours là, c'est un bien pour nous offrir service nous, à la nation, à tout le monde qui veut nos services de qualité. Voilà, Dimitri Vorb, l'état prépond une question. Peterson, chéri, c'était hier. Annulation franchisio capable bénéfique pour payant, mais ça devrait faire d'une façon ciblée. Nous n'avons pas cité économiste et nommé Germain. Sorti l'année 2012 pour arriver 2018. Franchise l'état bail coûté trésor public lance 63,5 milliards gourdes. Ça qui représentait une perte énorme pour l'économie. Et nommé Germain déplorait toutefois le fait que pas gagné. Et une évaluation spécifique qui fait avant mesure ça a été mise en application et Nomi Germain et Nomi Co-Régional de Rémi. Depuis quelques temps dans la société, la question de franchise a fait débat. Et maintenant, il y a quelques précisions qui manquent sur eux. La première chose, si nous considérons une série qui est longue, nous avons dit que, sorti dans l'année 2012 pour arriver dans l'année 2018, montant total franchise qui est accordé par l'État dans l'économie, lui totalisé 63,5 milliards de gourdes. Mais maintenant, si nous considérons la dernière année pour laquelle le chiffre existait, c'est-à-dire 2018, nous avons dit que, pour l'année 2018 seulement, l'État lui a accordé mais des franchises qui équivaut, si vous voulez, à 19,2 milliards de gouttes. C'est-à-dire, c'est énorme. Maintenant, bon bagage pour nous garder. Avant de garder l'impact qu'il a gagné, il faut nous garder pour nous voir qui secteur peut bénéficier de franchises. Et bien, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est d'abord les ONG en Haïti qui bénéficient beaucoup plus de franchises. 33% total franchise qui est accordé en 2018-2019 à des ONG. C'est-à-dire les organisations internationales qui ont opéré en Haïti. Ça, c'est un. Mais le deuxième plus grand bénéficiaire de franchises, c'est le secteur industriel. Le secteur industriel, il bénéficie 31% de franchises en 2018-2019. Mais maintenant, et au bras gagné, par exemple, administration publique, là, qui bénéficie en 2018-2019 de 15% de franchises. Après, son cap joint et l'autre institution, par exemple, les entreprises privées, par exemple, que mon côté en pile accent, il bénéficie, tant de bien 4% de franchises en 2018-2019. Les missions diplomatiques, par exemple, c'est 5%. Bon, comme mon débat, je veux dire, sur institutions religieuses, il y a des commentateurs qui disent que c'est parce que l'église catholique est pour la rue, qui fait que les institutions religieuses, en 2018-2019, ont bénéficié seulement de 2% de franchise. Mais maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que franchise SAO, ils ont constitué des pertes extrêmement importantes pour le trésor. L'aide pour le trésor, mais pas pour l'État haïtien, donc pour la société. Le point de vue serait que l'État, justement, aux décisions qu'on a, t'as aux décisions qui bien réfléchies. Mais t'as aux décisions que t'as qu'à bénéficier pour l'économie, hein. Mais maintenant, ce qui base, l'un des ce qui base, vous voulez dire que, en tout cas, qui catégorie qu'a bénéficié, qui catégorie ou apprécier, qui catégorie pas apprécier. Vous voulez dire que, est-ce que t'es gagné, y a une évaluation extrêmement poussée que t'es faite, pour l'État, tu es capable d'évaluer. En tout cas, qui secteur a quitté franchise dans Méo, qui secteur a quitté franchise dans Méo. Par exemple, pour le secteur agricole. Le secteur agricole, si on a bénéficié de la franchise, mais non, le pourcentage qui est extrêmement faible. Par exemple, en 2018-2019, le secteur agricole a bénéficié à peu près 0%. Bon, c'est 14 millions de gouttes quand même, mais l'on fait calcul là. Excel 2, en quelque sorte, c'est 0%. Vous voulez dire que oui, annulation franchise est capable au bénéfice pour le trésor public, mais maintenant, il faut qu'il fasse de façon ciblée. L'homme dit de façon ciblée, ou pas qu'à retirer 14 millions de gouttes qui viennent pour l'agriculture,
le secteur textile qui bénéficie, par exemple, franchisio à titre de programme ELPA, à titre de programme HOP, même si c'est au même tout, quand même, c'est deuxième plus gros bénéficiaire parce qu'ils ont bénéficié 31%, nous voulons dire que soit annuel, gagner l'autre conséquence que ça cabaye, notamment des conséquences qui pourraient avec ELPA, avec HOP, etc. Mais pour l'administration publique qui bénéficie 15%, nous comptons qu'il y a qui bénéficie du yo. C'est des hommes politiques, proches du pouvoir, c'est en pile, c'est des politiciens, c'est pas forcément le secteur public là. Donc nous d'accord en quelque sorte que annulation franchise, c'est capable une bonne idée. C'est-à-dire que pour que nous retournions l'argent à notre réseau public là, conformément à ce qu'il a donné. Mais maintenant, est-ce qu'il y a eu une évaluation poussée qui a été faite pour dire que, eh bien, combien comme l'État a pensé qu'il a annulé franchise, eh bien, qui franchise n'a pas annulé, qui franchise ne va pas annuler en quelque sorte. Voilà, économiste Inomi Germain, président commission éthique et anticorruption au Sénat, Yuri Latortu, dénoncé caractère illégal, décision exécutif l'an pour annuler franchise douanière l'État te bail en série institution. Parlementaire estimé, président République l'an mal abordé dossier. Institution, décision ça a touché au capable porter plainte contre l'État haïtien d'après Yuri Latortu, qui t'a intervenu dans l'émission Intersection sur Radio Caraïbe. Qui était faite le 20 novembre 2018. Document en mail, sénateur Yuri Latortu a rappelé, li déjà réalisé yon bon travail sous dossier ça. Les yon institution bénéficie franchise, li pa gen yon goud li bay la douane pour le rentrer ak matériel li. Palmenté a dit qui secteur qui intéressé à za fait franchise. Gen agriculture, gen industrie, gen tourisme, gen ONG, gen institution religieuse, gen mission diplomatique. Organisation internationale, organisme autonome, administration publique, entreprise privée, ligne aérienne, zone franche industrielle, zone franche agricole, autres bénéficiaires. Gen des lois et des traités internationaux qui réglementent la question franchise là en Haïti. La loi sur les investissements, qui votée en 1999, qui baille moun kap fè investissement dans la factory et franchise. La loi sur les zones franches. Il y a deux traités internationaux. Mm-hmm. Convention de Vienne pour les diplomates et puis le Concordat. C'est vrai, il y a loi sous ça, mais il y a une autorité qui prend plaisir dans fait quelques institutions favelles dans la franchise. Et Lila Thibonite l'a souligné, ça pas normal. Qui franchise qui pas légal? C'est les franchises de faveur. Par exemple, ministre de l'Arrêté, les gagnent en mouni, et puis on protège les balles en franchise. Ou bien président René, les égétales qui viennent, oui. Balles franchise. Dans le cas ça, c'est qui institution qui a bénéficié franchise d'après la loi? Ça qui est légal, yo, c'était dans le secteur industrie, secteur agriculture, secteur touristique, institution religieuse, mission diplomatique, les organisations internationales. C'est une pratique qui a développé en Haïti et le pas fait paraître. Institution qui a joint franchise derrière de la loi. Mais ça n'est pas légal. Yo. Les organismes autonomes, des entreprises privées contractuelles, les lignes aériennes, moi-même, pas une loi qui parlait de lignes aériennes. Okay? Mais tu as une habitude. Donc moi-même, moi tout dit, il n'est pas normal. Exécutif l'a fait qu'annoncer, les couper toute franchise. Yuri Latortu râle la loi pour le dire décision ça, conseil ministre en prend, il n'est pas légal. L'orgue la constitution, les traités, la loi, et puis les arrêtés, les résolutions, qu'on y a fait résolution, modifie un traité, ou font résolution conseil des ministres, modifie un traité international, et puis le conseil des ministres est illégal. Il n'y a pas qu'à engager l'État. Président commission éthique et anticorruption dans le Sénat République là, pas mettre l'eau dans la bouche li. Yuri Latortu croit, palais national Lagel, dans le règlement compte. Décision ça qu'a pris. Si c'est pas un bagage règlement de compte, moi ta ouais yo fait dans sens pour yo pas violer la loi. Jodi a son institution a attaqué. Oui. C'est l'église a attaqué. Sénateur averti Haïti capable si bi conséquence, décision droite et gauche ça autorité au prend. Président vient mettre pays en pile problème ou gen droit ouais que Haïti son bagage qui gen au moins combien assigné à. Elle a signé l'état haïtien, yo ka fait si yo fait la partie du tribunal international. Grand pile contre l'état haïtien gen droit même bloquer. Et yo gen droit mandat de dédommagement, dommage intérêt oui. N'a pas souligné l'État haïtien bail subvention pour un valet 19 milliards 200 millions gouttes pour année 2018 là. Organisation qui pas dans gouvernement, c'est principal bénéficiaire. Jean-Paul Lundi, Caraïbes FM. Saint-Pierre Jean-Paul Lundi n'a pas retourné sous notre ambassade américaine, en tout cas qui fixe ses positions sur situation de crise n'a pas vécu là avec réaction secteur démocratique et populaire là. Donc nous gagnons sous une note de secteur là. André Michel fait nous joindre, il dit
comme porte-parole secteur démocratique et populaire là, signataire alternatif consensuel pour Refondation Haïti, hein, moi voyez jeter sans cérémonie, dialogue sans condition, ambassade américaine proposée pour résoudre crise politique là dans pays d'Haïti pendant plus passé 12 mois. Et précisément, pendant cette semaine qui passait au là, peuple haïtien levé dans tout pays pour exiger démission sans condition. Président républicain Jovenel Moïse, qui a inculpé dans le cabinet d'instruction dans le dossier dilapidation, plus passer 4,2 milliards de dollars américains, fonds pétro-caribéens, puis gros scandale corruption avec détournement à l'argent, l'État paysan connaît, ou bien dans la République paysan connaît avec un Caraïbe blanc. Quant à peuple haïtien, il décide prend la rue pour exiger démission yon chef l'État ou pour exprimer yon quelconque revendication populaire. C'est expression exercice souveraineté populaire là, c'est droit ça doit respecter. Nous pas gain même c'est ça pas dit ça pas gain rien pour avec ça gain pour avec volonté populaire là, c'est sa constitution bayo comme droit. Ambassade américaine rété même Jean communauté internationale là pas droit continuer à supporter yon chef l'État population rejeté. Population a déjà lancé 7 journées de mobilisation nationale dimanche 27 octobre là pour arriver 2 novembre pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir. Nous Kembe, calendrier combat ça et rappeler paysan a totalement a fermé totalement pendant période mobilisation sans prince souffle ça. Nous m'a des communautés internationales là pour rejoindre peuple haïtien dans bataille pour satisfaire revendications légitimes lio. Nous c'est petite Jean-Jacques Dessalines, général Jean-Jacques Dessalines Gaska son canson. Nous en parler jusqu'au bout dans bataille démocratique pour libérer masse populaire ak paysanan. On va dire tout le monde mettez manger la caillou, mettez de l'eau la caillou, mettez gaz la caillou, mettez sucre, l'huile la pain la caillou. Nan nous na bataille pour libérer Haïti. N'a pas demandé à la commission facilitation passation pouvoir que mettre Javier Chal a pas dirigé pour mettre en tout cas que signataire alternatif consensuel là mettez campé pour yo accélérer processus discussion yo ak tout secteur dans la vie nationale là pour faciliter un départ ordonné immédiat président Jovenel Moïse. Question pour nous épargner paysan yon situation chaos total. Nous renouveler solution à crise là, c'est d'abord et avant tout démission immédiate Jovenel Moïse. Voilà, c'est ça à position secteur démocratique là d'après maître André Michel porte-parole. Nous pral parler avec Moïse Jean-Charles d'abord pour demander lui-même qui position lui par rapport à démarche ou bien notre ça pays États-Unis mettez dehors pour yo continuer encourager tout acteur politique et économique et société civile pays Haïti pour yo lancer yo presser là dans un dialogue sans condition qui réunit tout monde pour déterminer un moyen pour vivre sous formation yon gouvernement fonctionnel qui pral servir peuple haïtien et qui pral résoudre problèmes économiques et problèmes sociaux qui urgent yo. Moïse Jean-Charles, bonjour. Vous entendez très bien? Oui, entendez très bien. Merci. Matin, je salue notre panéliste, je salue Bob, je salue Perrinel, je suis content de Bob et je vous entends matin. Et puis, je salue tout le peuple haïtien qui est à l'étranger, qui est dans le pays. L'entendez notre langue, pourquoi faut nous réagir? Le peuple haïtien, je parle avec nous, en même temps, je parle avec notre Sam. Et pour le pays qu'on est, c'est pas aujourd'hui, non, nous avons un problème économique. Depuis là, nous avons aidé les Américains dans la savana pour nous prendre l'indépendance. Yo. Pourtant, après, nous-mêmes, nous prenons l'indépendance. Nous, les Américains, ont passé en pile temps, plusieurs dizaines d'années, pour nous reconnaître l'indépendance. Ils ont occupé nous en 1915, les Haïtiens. Ensuite, ils ont fait coup d'État. Ils ont mis le président. Yo fait coup d'état, yo j'étais président, mais même temps yo fait coup d'état électoral, yo mettez président. Américain yo, c'est ça que mettez nous là, je dis, oui? Nous, éliminer production d'huile dans la Tibonite, nous craser cochon créole, nous craser toute bagaille nous gagne dans le pays,
nous faut ce gouvernement privatiser tout bien l'État. Eh bien, je dis, nous imposons nous tout ça nous gagne comme volonté. Pourtant, nous avons un comportement égocentriste. C'est ça que la guerre pays dans sa lié là, je dis. Américains, s'il vous plaît, quittez-nous défendre l'intérêt pays nous. Quittez-nous défendre l'intégrité de nous. Quittez-nous chercher comme peuple. Ça n'est pas l'autodétermination nous. Je dis, pour pas qu'on solution à baisser, imposer le maïsien, la marché, c'est pour nous ramener nous à la raison. Pour nous, c'est nous-mêmes qui mettons Haïti dans sa vie là aujourd'hui. Hein. C'est ça que fait Radio Caraïbe. Nous restons, soi-disant, notre ambassade américaine, mettez d'ailleurs pour nous jouer nos solutions dans la crise. Père Haïtien, pas occuper Mounsayo. Mounsayo, c'est les ressources naturelles nous qui intéressent. Mounsayo, pas intéressé ni pour problème de santé, éducation, problème environnemental et même problème justice dans le pays. Hein. C'est nous-mêmes, les Haïtiens, qui doivent continuer à revendiquer le droit de nous mobiliser dans tous les quatre coins du pays hein, pour jouer nos solutions. Même pas quoi, c'est une solution fabriquée. J'ai toujours fait là, il y a fait ces bon nous qui pourraient retirer nous dans cette année-là. Qui donc, nous, petits de Saline, dans nos Haïtiens, nous restons. Soit disant notre ambassade américaine, mettez d'ailleurs, qui nous tendait dans la Radio Caraïbe matin. Très bien. Et nous-mêmes, nous n'avons pas dans Chita Palais. En allant là, et autant de grands ensemble de décisions, le gouvernement prend sur question franchise, sur question contrat courant. Et ça dit qui ça, sénateur Maurice Jean-Charles? Très bien. Nous, on ne peut pas parler des questions franchise que le gouvernement prend ou bien. Et couper contrat courant, mais seul ça me connaît. Je dis, je regarde comment Joël Moïse a touché le dossier sous Genel. Nous te connaissons déjà, il y a un pile monde qui a l'autre contrat dans le pays. Est-ce que son bagage politique? Est-ce qu'il y a l'autre monde encore? Il peut attaquer qui contrat avec l'État? Je regarde, c'est le bagage. Dans le cas de Genel, je ne sais pas quoi, c'est comme ça pour Joël Moïse et Maël. Mais je regarde pour nous, comment ça finit? C'est ça que fait nous-mêmes. C'est un peu Jean-Charles. L'été de Maël, comment? Mais ça me veut dire en gros. Jodian, ce général vous contrat avec l'État. Ok? N'a pas gardé pour nous voir comment Jean Moïse a fait. Et comme tout, est-ce que son bagage politique? Parce que, il y a pile l'autre institution qui gagne un gros contrat avec l'État. Est-ce que Jean Moïse a retiré le contrat dans le général pour l'autre compagnie? Nous pas connaît. C'est le bagage. Nous-mêmes, nous avons gardé pour nous si ça, c'est pas ton bagage politique, parce qu'il y a un pile, monde dans le système, non, l'un dit changer le système. C'est pas un monde ou des mondes, c'est pas trois mondes ou quatre mondes. C'est le système dans le monde qui peut changer. Je dis, est-ce que c'est un bagage politique? Nous avons gardé pour nous, ouais, comment il y a géré le dossier ça, hein? En tout cas, nous-mêmes, question franchise, ça va intéresser nous, parce que c'est même monde qui débat du bateau farine, qui a un gros franchise dans le pays, hein? N'a pas gardé pour nous, comment ça finit, et pourtant tout. Est-ce que Jean-Marie va gagner le temps pour continuer à attaquer, ou bien pour le système non, ou bien pour continuer le système non, parce que le pays est déterminé pour le retirer Jean-Marie dans ce pays. Nous te gardons en gros, je dis, nous demandons des changements de système, mais nous pas quoi, Jean-Marie a gagné pour nous. Je n'ai pas l'air pour capable de changer le système non. C'est ça nous disons, n'a pas gardé, parce que nous-mêmes, nous, petite de Saline, nous déterminons tout le monde cette fois-ci pour ce système changer. Nous déterminons pour aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas un changement de système, nous faisons mosaïque. Non, et bien ça nous voulons. Nous voulons changement de système non, en profondeur. Pour nous-mêmes, nous avons gardé, parce que nous-mêmes, ça nous fait la donne, c'est dans la capacité de mobilisation. Nous, c'est ça que fait guerre de sel. Je dis, nous n'avons pas le matin avec les Haïtiens. Hein? N'a pris route, non seulement mobilisation, mais nous disons que nous mettons tout mobilisation. C'est ça que fait hier. Nous sommes entrés au Cap-Haïtien, dans le cadre, pas qu'il y a au Cap-Haïtien qui t'a fait persécution politique sous Yonda représentant Petit Saline dans la ville Cap-Haïtien. Nous voulons parler de Justin. Je crois que nous-mêmes, nous avons parlé de ça dans la Caraïbe avant hier. Eh bien, hier, nous sommes dans le paquet. Nous sommes contents.
pays, peuple haïtien, peuple au Cap-Blanc, population te vint devant paquet, pour y demander comment c'est gouvernement dès qu'il prévient. Ça fait nous mal. Non, invitation. Je ne vais jamais mettre nous moun. Malheureusement, c'est là nous arriver. Nous avons des fondames qui dit, Jean et Gessner, te vint à côté en discussion. Et puis, ça cause l'élève dans l'élève qui était chez côté de l'État, il dit, j'essaie de shooter chez ça avec Biel. C'est pour ça qu'il dit, il est venu devant Pakéan pour demander de qui prévient. Pakéan lui-même, à travers des délégués, profiter de ça pour faire persécution politique. Vous dites à travers des délégués, Saint-Thomas-Jean, vous dites à travers des délégués. Délégués, c'est lui-même, pourquoi mon Dieu, c'est parle, c'est lui-même qui essayait, non seulement faire Pakéan, faire invitation, et c'est lui-même tout qui demandait Pakéan pour qu'il puisse renvoyer. Ni gestion ni l'autre monde, lui mande yo, soit prêt à tourner dans 15 jours. Mais pas qu'il a dit lui-même, lui explique ça qui est en fait comme des dans le pays, lui font travail à la vérité comme des gens bien traché, et ont décidé de tout le monde, ils ont tendu yo, à le faire la caillou. Okay. Moi, je crois que c'est vraiment important, Léo utilise la justice comme un outil politique, ça fait nous mal, et moi, son leçon, oui, il y a nous, il y a une petite saline. Nous demandons tout le pays, dans tout le département paysan, mobiliser toute batterie d'avocats, nous-mêmes représentants de Salignon, les attaquer, nous, ils viennent à nous, pour nous défendre, droit nous, et demander aux paysans, camper avec chaque grand monde qui a victime dans le paysan, surtout, mon petit de Salignon, l'État de Gonaïve, qui a dit comment il a arrêté ce posias, non seulement au bâti, dans la commune Henry, il a maltraité, et c'est mon civil qui est belle, il a dit à la police nationale. Mon civil yo bat li, là on finit, il a mette l'en prison. Et qu'on y a, ou donne toute qualité moun, soit qui n'a pas de calais, kap déposé plainte pour lui. Mon prêt que ça yo, c'est violation de la moun. Yo va kap utiliser la justice pour faire persécution politique. Imaginez guerre de sel. Nous y a 5 gros bases en de pays qui toujours dans la mobilisation yo. Yo tiè tout président, gros base sa yo. Yo tiè tout coordonnateur, gros base sa yo. Ça c'est un message à nous. Nous-mêmes, tu attaques nous. Tu attaques Mirai. Qui ça a fait avec nous-mêmes? Petite de Saline. Non seulement maltraiter les Haïtiens, ils ont attaqué les Haïtiens, mais nous-mêmes, toujours disant, comme entité politique, ma propriété bien fort sur un territoire de Caraïbes, non pas une organisation terroriste, non pas une organisation malfaitée, son parti qui a enregistré dans le ministère de la Justice. Depuis le président privé, nous avons le droit pour nous fonctionner dans le pays. Nous fonctionner, nous faire politique, nous pas non terroristes, nous ne pouvons pas comprendre. Pour qui ça, il y a persécuté nous, il y a tué nous, il y a arrêté nous, il y a pas mené avant nous. Nous faut fatiguer avec la raison dans le pays. C'est un peu ça. Mais c'est nous, pour défendre tête nous, nous ne pouvons pas arrêter. Pousser la canne seulement et apporter la croix pour défendre tête tout le pays. D'accord, c'est Antoine Napral, Napral fini, mais même faut retourner sur la question contrario. Et en 2008, où tu es conseiller président Wede Préval et c'est sous lui ensemble contre ça, yo signé, ou tu as quelconque relation avec famille ça, famille Evob? Écoutez, nous nous clairons tout le monde, nous sommes conseiller politique président Préval. Ouais, nous t'aidons pour le chamandal là. Et nous-mêmes, depuis automatiquement 2007, début 2008, nous t'ai quitté le président Préval dans la question élection. C'est ça, nous t'ai fait nous-mêmes. Mais question pour un. Oui, mon au bas de conseil, dans le niveau ça. Oui, je connais les duités, je connais les votes, et je connais le balancement avec eux. Mais nous-mêmes, question contrat, question. Et si on contrat avec l'État haïtien, ça sont l'autre bagaille. Nous nous parlons de même ça, il va domaine pas nous. Nous ne pouvons pas analyser autour. Nous ne pouvons pas faire une analyse sur eux pour est-ce que l'intérêt de l'État te garantit là-dedans, au même genre, pouvoir essayer de faire ça là. Non, mais ça nous dit, Lors que l'État haïtien lui-même l'abstient contrat, l'État haïtien gagne. Représentant PAL ou bien monde qui se pourrait représentant PAL, on va y même pour représentant PAL, ça c'est conseil économique ou bien conseiller monde qui est dans le domaine énergétique qui est au niveau du Préval, c'est eux-mêmes qui font le contrat. Et pourtant, nous-mêmes,
Il y a des femmes, les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas courants. Les Haïtiens ne sont pas honorés d'être à ce genre. Je dis, les Haïtiens ont un paquet d'institutions qui ont un contrat avec eux. Contrat, ça y est. Est-ce que les Haïtiens sont capables d'honorer d'être eux? Est-ce qu'ils ne sont pas capables d'honorer d'être tout? Ou bien tout, est-ce que c'est bien fait contre eux? Je dis, ça qui est bien important, l'homme attaque qu'on va y ça y est, il faut faire son base égale. Je dis, nous-mêmes, nous estimons que le système dans les graves, il y a des gens qui passent dans le système qui seulement, non seulement au gaz. Je dis à ceux qui ont mis le contrat ça en question. Et puis tout, là, moi-même, je suis dans la campagne, au contraire, je parle avec Jean-Marie Vob. Jean-Marie Vob, c'est un homme qui te dit on ne peut pas essayer de faire petit projet, petit mini-projet, on ne fait pas des gars projets dans le pays. Il te dit Maurice Charles, il te dit mon lait, il te dit mais ça vous fait. Et je ne parle pas, parce que je dis que c'est un problème pour un pays. Il te dit gagner, on sait des méga projets nous avons fait, non seulement nous-mêmes, nous avons utilisé le statut pour faire des gros méga projets. Et c'est même dit, on va payer l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas gagné autant de soleil que nous gagnons. Nous, quand c'est le soleil nous gagnons ici, nous avons des méga projets nous avons fait, dans le cadre énergétique. Et ensuite, nous avons même tout dénoncé des rivières. Moi-même, nous avons la veine, il était dit, c'est un homme qui est disposé pour t'organiser avec le monde qui est président, on sait des gros méga projets. Je dis, si on m'a attaqué pour le projet Mountaïo, ou bien, contre Mountaïo, sur le fait qu'on va le régal, n'a pas gardé, étant donné que moi-même, je parle dans le domaine de ça, je ne vais pas trop opiner de ça, mais nous-mêmes, est-ce que tout, c'est pas retiré, retiré dans ma voix, ou bien est-ce que c'est pas répolitique, pour pas l'autre monde qui gagne l'autre compagnie, nous pas connaît, mais c'est que, je dis, attaque pouvoir, contre ce système-là, je ne vais pas attaquer pouvoir dans le domaine de ça, mais tout, est-ce que c'est pas grave, mosaïque 4 nous pas connaît, et si t'as un président qui dit la pas attaquer ce système-là, comme Jean-Moïse va gagner pour ça, et puis trois tabarets Jean-Moïse, tout. Mais n'a pas gardé, et ça comme tout, les questions contraires, nous-mêmes, ce n'est pas nous, nous, même nous sommes dans le domaine politique, ce sont des vedous en gros guerre de serre. D'accord. Eh bien, merci un peu, Moïse Jean-Charles, dirigeant parti Petite de Saline. Bonne journée. Merci un peu, guerre de serre. Voilà, activité reprend tout petit, hein, dans le centre commercial, là, côté un peu, Timachan, dans ce qui est informel, là, t'es sous place. Toutefois, marché Kwabosal toujours vide à cause d'un phénomène de sécurité, hein, mais t'es sous sa fatra de l'eau sale qui empêchait Timachan, yo, vacuer dans l'activité, yo. Jean-Georges Blaise. Boule, principalement, point commercial, yo, cap tenté fonctionner 6 semaines après opération pays New York, là, côté un rien pas de bouger à situation de tension, qui était bien haut dans la capitale, là. Cependant, avec Tia Kalmessa, ni secteur informel, là, ni le business qui pat l'ouvre porte, commence à reprendre activité, yo, même là, un rien pas clair, selon les commerçants, yo. Et malgré plus monde fréquenté en bas la ville, là, pendant semaine, ça, pas gain à faire, pour répéter propre déclaration, même secteur informel, là, cap dit ça que fait ça. Si bout de semaine là, Lyon Jean, ni mieux. Mais pas gain acheter. Nous avons toujours peur en bas la ville. Nous même machin nous vini. Donc on est depuis nous rete la caille, nous senti nous nuit. N'a habitué vini dans la rue. Nous vini mais pas gain machin. Machin qui vini, c'est pas vini, on vini comme si on gain monde cap vini acheter dans mais il y a plus machin qui acheter. Malgré activité on veut reprendre timidement. Marché Kwabosal là toujours blanche que coton. Puis faut ti machan al prend refuge soit sur place d'Italie Bicentenaire ou bien sur Grand Rue. Puis go tête chargé rete phénomène insécurité côté gang exam continue à tailler banda imposer loi yo d'après ti détaillant yo cap mandé qui là y a bien une chance en bas la ville. Nous venons contrôler business, mais quand nous finissons vers 10-11, nous quittons la rue. Donc, Bandi Azam a fait nous la loi. Donc, il faut nous bailler au cob pour être capable de quitter nous. Vite dans le marché. Et même là, nous finissons bailler au cob là. Pour nous t'arrêter, pour nous être capable de dégager nous, ça nous bailler là, pour nous entrer. Immédiatement, nous finissons bailler au cob là. Après 15-20 minutes, nous crasons la rue, nous tirons sans arrêter. Mais comme ça, nous ne pouvons pas vivre bien. Nous ne pouvons pas vivre dans le marché tellement nous Azam fait basio là c'est la réalité comprendre de vous on a vu acheter yo fouiller yo prend comme sur les gars des clients qu'on a vu acheter dans mon la paraître là de l'onanger et pendant la journée tu gagne rafale cartouche qui était déclenché dans cette commercial là tu marchand yo par contre qui s'est pour encore face à climat tête chargé ça qui était finalement
un véritable cancer. Chaque jour nous venons en bâtiment nous. Chaque jour en bâtiment nous, nous pas vivre, nous pas comme ça pour nous faire. Ça veut dire comme ça. Ça nous connaît, nous pas connaît non. Nous pas comme ça guerre. Actuellement nous demandé sécurité nous besoin. Sécurité nous besoin. N'a demandé pour président attendez nous comme moi l'oublié. L'oublié tu marche dans la vidéo. L'oublié quoi beau sale. Mais m'a demandé est-ce qu'elle pas attendre pour nous? Est-ce qu'elle pas attendre nous? C'est pas seulement ça qui va être tête chargée. Dans cette commerciale, Timachanio a pris les armes et tout contre l'eau sale. Fatra a fait mon explication dans la rue qui sa instance concernée va régler. En tout cas, 2 novembre qui a pointé là pour faire une année depuis marché quoi l'eau sale là comme pour mon économie pas qu'à fonctionner comme ça doit. Dans l'examen, prend contrôle l'espace là dans place force l'audio même le en pile mon coin ça qui a passé là dans bord mer ta gagne main politique d'elle. Jean-Georges Blaise, Caval BFM. En pile Jean-Georges Blaise, Association nationale magistrat haïtien, yo dit l'inquiété en pile à cause zak insécurité qui empêchait par la justice fonctionner comme ça droit. Donc la justice m'a dit pour courir quitter les zones en bas, monsieur professeur Ouvlé, président Nama, Jean-William Morin dit il est pas normal pour c'est la police qui jouait tout rôle yo, puisque moun qui a arrêté yo pas qu'à présenter tribunal. Nama croit li important pour autorité yo prend en disposition pour résoudre problème ça côté droit moun suspendre un violé pendant la souhaité par la justice l'a déplacé sous bicentenaire. Président Nama, Jean-Louis Moen, amico Magerson Félicitain. Lui-même, il joue rôle juge aujourd'hui, c'est le joueur du ministère public, parce que c'est la police qui a arrêté, c'est la police qui a jugé, c'est la police qui l'a dit. Parce que juge pas arrivé dans le tribunal. Il y a encore le magistrat Keskov qui était et séquestrer le tribunal là, ça avec un pile et démarche qui fait magistrat arriver à tel la caille. Hier encore, ça veut dire que le juge trouvé dans l'insécurité, il n'y a pas qu'à aller au tribunal. Yo. Donc, et voilà que situation vient trouver le jeu de jeudi, c'est la police qui a fait toute bagaille. Lorsque nous connaissons pays en manifestation, en mode manifestation, et depuis que la manifestation est arrestation, et lorsque nous interpellons ou arrêtons au monde, c'est un juge qui peut de la gueule. Voilà que je l'ai jeté à, juge pas qu'à aller au tribunal pour nous capables de faire travail. Ça vient par ce qu'on appelle, je l'ai jeté à, l'inexistence de l'état de droit, pas l'état de droit en Haïti, et voilà que autre chose produit encore, c'est que droit monde a violé sur toute la longueur. Parce que la convention dit clairement tout le monde a arrêté, il doit gagner droit à un procès équitable. Et lorsque tout le monde, vous mettez le garde à vue plus qu'une semaine, ou bien vous n'avez pas eu un juge après 48 heures selon la constitution de la République d'Haïti, donc vous gagnez ce qu'on appelle une violation des droits humains. La violation des droits humains, lignée tout à partir de ce que nous appelons aujourd'hui arrestation illégale et détention arbitraire et abusive. Donc voilà. Tout ça qui fait nous résumer en un mot pour nous dire que la justice aujourd'hui, elle est absente, elle est inexistante en Haïti. Puis, troisième bagage que nous devons souligner pour vous, c'est que Anama a déjà demandé de déplacer le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui trouvait nos zones qui dérouillaient aux zones de nos droits, voilà que jusqu'à présent, pas gagné un juge qui est capable de descendre dans le tribunal là, et un qui descend lui exposer à lui exposer la ville. Nous sommes de gagner un substitut du commissaire du gouvernement qui a essayé de descendre dans le tribunal là de manière pour t'attendre de trois monde. Il arrive que le prend téléphonie et pendant quelques secondes, il a agressé lui et il a vu sauve grâce avec Dieu qui est intervenu pour lui. Donc, son situation grave et gravissime même que je ne veux dire
qui interpellé Anama et qui demande lui-même pour que toutes les mesures capables de prendre ou à tous les niveaux pour permettre au moins la justice campée, parce que même en état de crise, la justice est tout le nécessaire, parce que la justice, c'est un service public. Depuis le départ du magistrat Iros Villard, c'était déjà un échec à une capable de dire un projet ça qui était de combattre la détention préventive du projet, et le projet qui était commencé par les résultats. Ensuite, il vient ajouter ce projet ça la crise politique qui occasionne chaque jour des manifestations et des arrestations de tout côté dans le pays, et que puisque le tribunal n'est pas capable de fonctionner normalement, c'est-à-dire que le temps de détention préventive prolongé, il grandit beaucoup plus. Donc c'est une situation vraiment alarmante et nous vraiment senti que nous concernons nous-mêmes de l'Association nationale des magistrats haïtiens, et nous voudrions appeler tous les acteurs, à faire en sorte que la justice recommence à fonctionner dans le pays. Voilà, au tap à côté, juge Jean Wilner, Morin, un bail sans pour un bail Haïti, j'arrête, yon collecte sans samedi, non, Digicel là, c'est initiative, bon, moi, regardez pour moi, citoyen ça qui a plaidé les mains, fait difficile pour me garder mes messages, réseau national, groupe sanguin, résus négatif, nous gagnons avec nous Jean-Tony Lorté, yon un membre réseau ça. Lorté, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour à tout auditeur de Radio Caraïbes FM. Oui, en baissant, bon, regardez, maintenant, en baissant pour nous bailler la vie. Ben non, parlez de l'initiative, ça, non, collecte de 500. Ah oui, Guerrier, vous connaissez la question et sans accès pour mon joint, dans le pays d'Haïti, l'idée difficile en pile ordinairement. Mais avec le pays qui l'offre, là, ça fait à peu près 2 mois, situation. Rejoignez 4x4 là pour plus de détails. Mackinson Rémy, bonjour. Déjà, encore bon établissement à Pierre-Winel René, puis vous êtes resté rejoignez lundi matin. Est-ce que plaisir pour Mackinson Rémy pour me retrouver le matin, hein, pour présenter une rubrique comment la réaille. Eh bien, et matin, et attention, les différents pour chaque zone, et côté de Baté, et dans Pétionville, et côté nous déjà, et commencé dans marché Cocoyer avec marché Télélé. Eh bien, matin, marché Nio, il était commencé à mettre à terre. Et dans marché Cocoyac, marché Télélé, et nous avons une petite activité, et dans Pétionville matin, dans le centre Pétionville là. Des machines qui commencent à charger, et pour descendre Port-au-Prince par Boudon, et gagner tout, et qui commencent à charger, et pour descendre Port-au-Prince par Delma, mais sauf que, il n'y a pas en pile, genre ça qu'on habituait avant. Et comment ça y est, dans l'axe principal Delma, eh bien, on est capable de sortir Pétionville, ou descendre par Delma, mais lorsqu'on dit Delma 95, c'est que deux carottes qui commencent à bouler, zone 3 du matin, mais dans l'aide de retourner, revérifier, et Pétionville, zone Delma, nous avons remarqué qu'à Odisa eux-mêmes, c'est presque fin boulet, mais dans le moment, on n'a pas les avant là, je suppose fin boulet. Machine, c'est commencé à passer, et avec, en pile prudence, et dans des zones Delma, alors, sur Pétionville, maintenant, monter Delma, pas de problème, pièce, on va passer depuis Delma 2, monter Delma, pas de problème. Le axe principal là, c'est qu'on s'allie pour matin. Et comment ça y est sous Boudon, on va passer depuis Pétionville, ou descendre Boudon sans difficulté. Eh bien, et tout axe principal là, normal, mais sauf que l'arrivée en Baline l'a lu, et il y a un reste gravier au connecté dans la Ouya, il a commencé, et il a pris le yo, et là, tu vas se taper pour tes machines. Et là, le canapé vert, et c'est avec une grosse difficulté matin, et nous sommes arrivés sortis, et dans Baricade, nous sommes prêts dans la zone ça, eh bien, nous sommes sortis exactement depuis Pétionville, parti devant Galice 128, et parti devant Timaco MS Autodesign. Pas de problème pièce, il est juste en station de Bosla. C'est l'arrivée de mon guerrier, nous avons pour les barricades de bois, et nous franchissons pour les barricades de bois. Nous avons passé plus devant, et barricades de calé, et de l'arrivée, nous avons l'autre barricade, nous barrions net, et c'est avec en pile difficulté, et il y a plusieurs individus qui ont en pile pression, donc nous avons cassé cette retourner. Donc, mais nous sommes obligés de retourner, nous avons quitté les véhicules, nous sous l'IA, mais nous avons pris le chauffeur de Bosla qui était tourné, avec un véhicule là pour nous, et capoter le bas, nous avons là. Mais nous-mêmes, nous sommes alpés, nous correctement, sans problème. Eh bien, mon canapé fait matin, et il n'est pas bon même, et mon passe pas coup de pain, et nous ne pas remarquer, et backup là, et dans mon canapé fait. Et nous avons dit, et mon cap de direction, et Pétionville, et nous capable et pas passer canapé vert, et puisque le canapé vert pas bon, et lui bloqué, avec ce bois qui coupé dans la zone ça. C'est avec grosse difficulté pour mon nom même,
et yo passé et canapé vert et pour matin. Donc SOS a lancé déjà. Et bien là, nous avons eu l'organe et nous avons pas de trop activité dans le niveau machine, mais il y a quelques graines et motocyclettes qui là et pour assurer et transportation en commun. Et il y a quelques gros bus qui sont en bas, Captain Bois dans la zone table. Mais de portail et organe jusqu'à marché poisson, et nous t'es passé, il y a trois gros problèmes, sauf que la piste tombe pour toi, puis le patron dans la route là, qui ont des gens et difficiles à cause de patron, puis dans la zone là. Mais on connaît route là, ceux qui ont été suspects, puisque les gens ont bougé pour des vacations et transportation en commun, hein, avec les vacations secteur informel, là, par contre, la rue comme ça. Si la gagne tout l'autre, tu comment la rue aille. Nous passons dans la zone aéroport, pas de problème pièce, mais nous campons là dans Delma 2, côté M. Boutoyo, même le campé. Il y a ton, et pour, et yo passe pour le travail. Mais pas oublier, monsieur, si la personne qui a des bouquets, toujours des mounio, al payer la mairie, yo passe si malaxé nous, et jusque, et zone tali pas trop facile. Donc, et pas, et ces zones qui a des bouquets, pas le coup de béton, si on n'a pas d'autorisation, et la mairie dans nous, yo passe si malaxé nous, et moi des mounio, pour les CFPD. Et bien, on a parlé avec quelques citoyens là, qui dans, et Delma 2, et les hommes, comme vous voyez, ça fait, on connaît bien, et vu que nous sommes à Vel, les bétons. Et comment y est, vous allez travailler pour matin? Oui, moi le travail matin. Donc, c'est dans qui zone vous allez? Donc, matin, nous, dès le matin, et nous, encore fait noir, devant BNC, à Pagé et Lumière, pour que nous total la communauté qui n'est pas l'humain, et quand elle est sur la communauté qui n'est pas l'humain. Donc, matin, nous, allons travailler, comment ça y est? Mal boucan l'appli là. Boucan l'appli, c'est dans qui côté lié? Sous Bétionville, là, avant que nous, 95. Il y a une tâche, nous, il y a une machine. Oui, moi, machine, il y a une tâche, là. C'est comme activité béton, il y a pas de semaine, là. Est-ce que je viens de travail? Comment ça y est? Ah, vous connaissez, vous voulez pas aller. Tout bas est bloqué. Comment ça y est, mais vous voyez l'activité pour matin? Moi j'aime le travail là, mais c'est là, je vais une machine. Vous voyez une machine quoi? Depuis à kilo là, matin? Depuis à 4 du matin, je vais là. Comment ça y est, vous matin? Vous voyez le travail matin? Bon, moi j'aime là. Dans la rue à chaque jour, moi. Dans la rue à chaque jour. Chaque jour, dans la rue, je travaille malade, j'aime mieux. Ok, à tout cas, il est fait, vous devez aller. Vous êtes sorti pour matin. Moi, je suis sorti l'organ. Comment ça y est, vous êtes l'organ? L'organ pas bon, même. Là, vous pouvez même, j'ai cru ici, pas bon, même. Et, quand vous dites fort, pas bon, même, dit tout. Je voulais le dire pour aller. Radio Caïdefem, comment ça y est, mon frère? Ah, mon cher Bagayo, bon, même, bon, oui. C'est qui va aussi pour sortir pour venir dans cette machine de la voiture? Bon, moi, l'âme était, habité tout. Mais comme si nous venons là, bon, régler ça, par exemple. Vous êtes toujours allé dans le béton? Oui, je suis toujours allé dans le béton, mais malgré que Bagayo ait essayé, il y a l'autre, il y a tout Bagayo. Si on a un petit peu de gougna là, mais il va mettre un loyer pour le veillard. Voilà, nous allons regarder vous ça, vous voyez, c'est juste la première occasion, dans 43-29, 47-40. Merci monsieur, je suis d'aller avec nous, et je suis content de dialoguer avec nous pour matin. Mais nous allons regarder vous ça, vous voyez, c'est juste la première occasion. Habitants dans le département Grand-Anse, et c'est qu'on est, et il y a plus de difficultés pour vous vendre, pour dire que vous nécessitez vos produits dans un temps. À cause de situation qui est difficile pour eux, pour passer à manger dans une zone. Agent douanier, ils ont demandé pour capable de payer yo et plusieurs mois de travail, yo doué yo et plusieurs mois de ticket, ils ont demandé pour le ministre de l'Islam et capable de gérer ce qui est sorti pour eux. Employé SNGRS, sous direction Bruno, et demandé ministre de l'Islam, payer yo plus de 10 mois de travail, yo doué yo, yon payroll qui fait pas mon pas, c'est tout ami qui touche, ils ont demandé pour le ministre de l'Islam capable de payer yo plus de 10 mois. Plusieurs consultants, plusieurs employés, il n'y a pas qu'à toucher et il y a des grosses difficultés. Avla Estaro qui a annoncé qu'il a bloqué et rentré SNGRS là. Habitant Akaye, Kabare, dénoncé, il y a une série de groupes gangs, qui a brassé les gens dans la zone, demandé pour la police capable de visiter la zone. Habitant La Montagne, Jacques Mel, dénoncé, il y a une série de groupes gangs, qui a brassé les problèmes dans la zone, localité La Porte, demandé pour la police capable de vérifier la zone toujours. Habitant dans la zone Monet qui dénonce Tichot Jet avec un série à Colifrio qui a fait des actes criminels dans la zone table. Demandez pour la police de poter, coller avec habitants. Machine qui a foutu du fort. Demandez pour la police visiter ma chère parce que vous avez la police. Je ne suis pas capable encore. C'est une situation difficile. Je suis fait nid sud à Grandos. Je ne pas qu'à traverser avec moi. J'ai jeune couché. Plus passer 200 chauffeurs déjà victimes sur route nationale numéro 2. Demandez pour la police de gérer les questions pour eux. Et sans compter. Dans Miragouane, comment situation des fois difficile pour nous passer, et spécialement zone Chalon, demandez-vous la police, accompagnez-vous. Mais pas oublier, numéro la police, c'est 114, numéro CAN, c'est l'ambulance nationale, c'est 116, numéro d'INEPA, c'est 59-59,
déjà bon week-end sur Caraïbe FM, non pas M. Mackinson Rémy. Caraïbes Information sur 94.5 FM et sur www.caraïbesfm.com. Merci un peu, Mackinson Rémy.